la société change, ils ont besoin d'utiliser les édifices dans une autre façon. On voulait que la vocation du édifice était comme avant, que les anciennes églises étaient un lieu de rassemblement. Ça va être une salle d'événementiel. Il va y avoir un espace de coworking pour les entrepreneurs en démarrage. Mais c'est quoi qui est aussi spécial, c'est qu'on a des grosses compagnies qui sont ici aussi pour aider les petites compagnies. Et on a la communauté. On parle de Griffintown, mais on parle pas beaucoup de Petite-Bourgogne, qui est quand même un quartier défavorisé à Montréal. On a 67 groupes ethniques et on a la plus grosse concentration d'habitations sociales en Amérique du Nord. Quand vous regardez l'immobilier, les édifices sont utilisés sûrement pendant la journée. Les soirs et les week-ends, parfois, ils ne sont pas utilisés. Alors, pourquoi pas avoir une association avec des OBNL et groupes communautaires qui ont besoin des espaces? Le loyer est déjà payé, les taxes sont payées, c'est déjà chauffé, éclairé. Alors, pourquoi pas avoir l'opportunité que l'édifice est utilisé beaucoup plus que c'est fait dans la tradition de l'immobilier? Est-ce qu'on peut récupérer cette vocation culturelle, sociale, comme une église, mais d'utiliser le business pour faire changer le monde?